En 2006, lorsqu'Isabelle Bélanger et Reynald Jalbert prennent possession de la ferme laitière Bellica à Saint-Pamphile, ils forment la quatrième génération de propriétaires. Dans cet épisode, Isabelle dresse le portrait de la ferme d'aujourd'hui alors que son père, Guétan, nous parle des pratiques agricoles de l'époque. Nous, au monde ici, c'est la terre paternelle. C'était la terre de mon grand-père. C'est mon grand-père qui a acheté ça dans les années 1901 à peu près. Et puis, après ça, mais ça a été mon père. Après ça, ça a été moi. J'ai acheté ça en 84. Et puis après ça, mais j'ai revendu ça en 2005 à Isabelle, ma fille, puis mon gendre, Renald. J'ai une grande fierté d'avoir pris la relève. Je m'occupe de la gestion du troupeau, la santé, la reproduction, les choix de taureaux, tout ce qui est génétique. Je m'occupe aussi de l'administration, comptabilité, des budgets, des demandes de financement au niveau fiscal aussi. En janvier 2020, je suis allée en mission au Sénégal, en Afrique, pour 2 semaines. C'était une mission pour aller voir ce qui se passait avec les agricultrices, nos sœurs de terre là-bas. L'agriculture là-bas est très différente de nous. C'est encore une agriculture de subsistance, un peu comme on voyait dans le temps de mes grands-parents. C'est qu'on fait de l'agriculture pour nourrir la famille d'abord, et par la suite, s'il y a des surplus, ben on le vend sur les marchés. Là-bas, c'est très différent. Hein. La majorité de l'agriculture n'a pas d'électricité, donc tout se fait à la main ou presque. Il n'y a pas des belles étables comme ici. Là. C'est souvent des blocs de béton où est-ce qu'on enferme les animaux dedans. Et la salle de traite, ben, c'est finalement un arbre qu'on attache la vache en dessous puis on la traite à la main. Le Québec a pratiqué essentiellement une agriculture là, de subsistance là, jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Donc, à ce moment-là, là, je dirais que la ferme laitière, la ferme typique québécoise, en fait, devait compter là, à peu près quelques vaches, des cochons, probablement aussi un peu de volaille au travers, puis avec ça, un grand potager là, pour nourrir la famille. Le changement s'est effectué là, vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que dans cette période-là, bien, il y a eu le fameux baby boom. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, hein, qui sont allés vivre en ville. Donc là, ça a été important en fait d'être capable de nourrir tout ce monde-là. Parallèlement à ça, du point de vue là, de la science, de la technologie, de la sélection génétique, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits durant ces années-là. Donc ça a permis là, de faire des gains là, au niveau de l'efficacité, au niveau de la productivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système de mise en marché s'est beaucoup développé, dans le sens que le lait, c'est un produit périssable. Donc c'est important aussi d'être capable de le réfrigérer, de le conserver. Le réseau routier, toutes les infrastructures de transport aussi se sont développées pour être capable justement d'aller chercher le lait sur les fermes, de l'acheminer sur les sites de transformation, puis éventuellement là, d'amener ça à l'épicerie là, pour les consommateurs. Oui, dans mon jeune temps, dans le temps qu'on avait une dizaine de vaches, là, on allait à Burie à tous les 2 jours. On allait mener notre crème à Burie. Ben, on tirait nos vaches à main. Et puis, on emmenait le lait dans le cave pour aller l'écrémer. Ça faisait 150 pieds pour avoir 2 chaudières de lait pour aller écrémer ça dans le cave. Et puis, après ça, cette crème-là, on renvoyait ça à la Burie tous les 2 jours pour faire du beurre. Dans ce temps-là, nous autres, quand on avait 15-16 têtes de bétail, c'était pas mal tout dans les vaches, là. Quand on a acheté en 2006, on est parti, on avait à peu près 30-35 vaches, à peu près. Puis on a acheté de mon beau-père avec 21 kilos de quota. Là, on est rendu aujourd'hui en moyenne 48-50 vaches totales avec un quota de 52 kilos. La production elle a plus que doublé. C'est beaucoup amélioré là, depuis qu'on a acheté en 2006.
Les premiers systèmes de traite mécanique sont apparus au début des années 1900 en Europe. Au Québec, par contre, ça a commencé à être plus répandu là, vers 1950. Puis à ce moment-là, on parle, là, c'était un pot trailleur, c'est-à-dire qu'on pouvait traire seulement une vache. Puis évidemment, là, ça nécessitait là, un peu d'huile de bras parce qu'il fallait justement brancher la trailleuse sur la vache. Ensuite, quand notre pot de lait était rempli, il fallait transvider ça dans des bidons. Donc, c'était encore beaucoup là, de main-d'œuvre et de travail là, qui était nécessaire pour récolter le lait. Là, ce qu'on voit un peu plus depuis les années 2000, c'est la traite robotisée. Donc là, les étapes de la traite sont entièrement faites de façon automatique. Puis c'est la vache, en fait, qui décide quand elle veut aller se faire traire. Donc, toute la préparation du pis, le branchement de la treilleuse, le décrochage de la treilleuse, tout ça se fait automatiquement par le robot. Il n'y a plus vraiment là, d'intervention de l'humain ou de la main-d'œuvre, comme c'est le cas là, dans les autres modèles. La traite robotisée, par contre, c'est pas la majorité des fermes qui sont équipées comme ça. Il faut savoir que ça demande des investissements là, importants parce que c'est des équipements qui sont dispendieux. Donc, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les fermes, bien, c'est des systèmes, là, soit on appelle ça en stabulation entravée, c'est-à-dire que les vaches sont attachées dans l'étable, puis une par une, là, on va les traire. Ce qu'on voit aussi, c'est des systèmes en stabulation libre, soit des salles de traite ou des carrousels, où là, c'est les vaches, en fait, qui vont se déplacer sur le quai de traite là, pour justement donner leur lait. Ces systèmes-là, par contre, ça demande encore de la main-d'œuvre. Hein, ça prend des humains pour justement installer les trailleuses et récolter le lait. Là, c'est ça, le mélangeur, les balles sont hachées à l'intérieur. Après ça, ça sort par la porte, ça tombe dans le convoyeur. Le convoyeur, il alimente le système le DAF à l'intérieur. Capable de soutenir là, la production de lait que les vaches ont actuellement, là, ça prend une bonne alimentation, puis ça prend des aliments en fait qui sont disponibles aux vaches là, pratiquement 24 heures sur 24. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vache a une alimentation relativement variée, dans le sens où elle va manger du foin sec, de l'ensilage, des grains, des suppléments protéiques, vitamines, minéraux. Donc, de fournir ces aliments-là, de distribuer tout ça à la main, des fois deux, trois, quatre fois par jour, ça peut vraiment venir fastidieux. Donc, ce qu'on voit là, depuis une vingtaine d'années, c'est que les systèmes d'alimentation, eux aussi, se sont automatisés. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui peuvent peser les ingrédients, les mélanger ensemble, puis les distribuer là, devant les vaches là, de façon pratiquement autonome. Là. Pour ma formation, j'ai fait un bac en agronomie en sciences animales. Puis par la suite, c'est ça, j'ai travaillé comme agronome quelques années pour ensuite revenir sur le plancher des vaches, là, revenir sur la ferme paternelle. Fait que débit, crédit, ça c'est un dépôt d'encan. Il faut que les deux soient égales si on va sur... Pendant ma carrière, j'ai eu deux enfants. Je les ai toujours amenés avec moi à la ferme en espérant leur transmettre la passion des animaux et de la terre. Et heureusement, c'est ça, mes deux enfants, Benjamin s'en va étudier en agriculture pour éventuellement reprendre la ferme avec nous. Yanis, elle adore les animaux, mais son choix de carrière n'est pas encore déterminé. Au niveau de la formation, il y a
une offre vraiment intéressante là, en agriculture. Donc, ça peut être une formation là, avec un diplôme d'études professionnelles. Ça peut être un diplôme d'études collégiales. C'est aussi possible d'avoir un diplôme universitaire. Pour moi, c'est vraiment essentiel que quelqu'un qui veut se lancer en agriculture aille suivre une formation. Ça demande vraiment d'être polyvalent pour être un bon gestionnaire d'entreprise agricole. Faut être un petit peu vétérinaire, faut être un petit peu agronome, faut être un petit peu mécanicien, faut être un peu comptable, faut vraiment être débrouillard. Donc, d'aller chercher des connaissances là, de base dans tous ces domaines-là, c'est vraiment là, un acquis important là, pour s'assurer après là, que la ferme là, va être capable là, de bien tirer son épingle du jeu. J'ai commencé sa ferme, moi, à travailler. Gaétan m'engageait comme pour décharger des voyages de foin dans le temps. J'ai connu Isabelle dans ce sens-là. Vu que je venais ici, on la voyait plus souvent, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le fait qu'elle, elle aime ça, bien, veut pas, ça nous entraîne là-dedans un peu. Fait que moi, ce que j'aimais beaucoup, là, c'est les grands espaces, puis tout le travail diversifié sous l'entreprise. Le fait de travailler dehors, faire toutes sortes de tâches, puis ça l'emmène mon lot de satisfaction, en plus d'être mon propre patron, dans un sens. Là. On espère que ça va se développer vers le transfert de la ferme. Si on remonte là, dans le passé, bien souvent, ce qui se passait, c'était que bien, c'est l'aîné de la famille, hein, le garçon, souvent, qui héritait de la ferme familiale. Maintenant, il y a des filles de plus en plus qui font leur place en agriculture. Donc, le transfert apparenté, donc entre les parents et les enfants, en production laitière, c'est ce qu'on voit encore là, le plus souvent. Il existe d'autres modes de transfert. On voit aussi des transferts non apparentés. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est possible aussi de s'établir en agriculture pour quelqu'un qui ne vient pas nécessairement du milieu. Il y a des programmes là, de démarrage qui sont soutenus là, par la Fédération des producteurs de lait. Puis ça permet justement là, à des jeunes qui ont envie de se lancer en production laitière, là, c'est possible pour eux de le faire. La ferme familiale, c'est toujours intéressant que ça se continue. Donc, je suis très fière de ça. Je pense que tout propriétaire d'entreprise agricole ou d'entreprise en général, c'est la fierté, c'est de transférer ça à ses proches. Même si on est à la retraite, on vient encore les aider un peu, une fois dans un temps. Bien, il faut que la relève agricole soit présente. On n'est vraiment plus dans un contexte là, d'agriculture de subsistance. C'est important là, pour que la relève, justement, soit bien outillée, soit bien entourée pour, justement, prendre les bonnes décisions là, puis assurer, là, la durée des fermes là, au Québec. Le domaine agricole est en constante évolution. La ferme laitière d'aujourd'hui fait appel à des technologies qui permettent d'augmenter les rendements et diminuer les interventions manuelles. C'est grâce au travail rigoureux des fermiers d'autrefois que les fermes d'aujourd'hui ont pu se moderniser en évoluant sur des bases solides.